Autrefois, cette cité était pleine d'énergie, sale et dangereuse, mais vivante et merveilleuse. Aujourd'hui, tout a changé. Ça s'est fait sans bruit au début. Personne ne réalisait ou ne s'en souciait. Les gens ont accepté. Ils ont choisi une vie tranquille. Mais pas tous. Ceux qui ont refusé de se conformer sont devenus des marginaux. Des criminels. Ils sont devenus nos clients. On nous appelle les messagers. Nous vivons sur le fil qui sépare le brillant et la réalité. Le fil du miroir. Nous restons à l'écart, hors de vue. Et les policiers nous laissent tranquilles. Les messagers voient la ville à leur façon. Sur le fil, les toits se transforment en chemin et en conduit, en issue et en raccourci. Sur le fil, nous restons en mouvement. Et donc, en vie. Entraînement, Face. Ouais, je sais, t'aimes pas ça. Mais t'as chuté ta mise en service un moment. Non, tiens-toi en forme. Ça peut servir dans cette ville. Et c'est donc ce nouveau parcours. Céleste me doit une course, alors suis le mouvement, ok? Si tu veux lui en mettre plein la vue, te gêne pas, ok? Salut, Face. Contente de te revoir plus tôt que prévu.
veux que je teste tes talents de combat. On ne sait jamais. T'es prête? Ok, vas-y. Ok, Face. On va essayer un peu le désarmement. Au cas où. Rappelle-toi ce que je t'ai appris. Isole-les, prends-en un à la fois, si tu dois te battre. Ok, c'est bon pour aujourd'hui, les filles. On va passer aux choses sérieuses. Break a un boulot pour toi, Sel. Vois ça avec lui. Face, fais-moi signe quand t'es prête. À plus tard, Face. Un effort. Céleste risque de s'impatienter. Elle est presque à la tour et toi non. Bouge-toi et passe-lui la mallette. Elle prendra la suite.